Je suis créateur de cannes de prestige et de bijoux par association de bois précieux et métaux précieux. Chacune de mes cannes sont uniques, ce sont des objets d'art et chacune de mes cannes sont exclusives. J'étais électromécanicien et informaticien. J'ai travaillé 18 ans dans un centre de recherche, mais j'ai toujours eu la passion du bois. J'ai acquis un fonds d'atelier, et dans ce fonds d'atelier, il y avait des vieilles machines et un stock de bois précieux. Et j'ai appris que ce stock de bois précieux était destiné à faire des cannes de prestige, et c'était un stock de bois qui datait de la fin du 19e. J'ai pris ça comme un challenge, et j'ai créé mes premières cannes comme ça. La plupart des bois que je travaille, certains datent encore du premier stock que j'ai acquis, donc de la fin du 19e. Et je pense qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un stock de bois qui vient de la fin du 19e. Il y a d'abord un respect des matières, et puis le respect aussi du savoir-faire que j'ai mis en place. Je reproduis mes gestes de façon juste et précise. Ma principale technique que j'ai mis au point, c'est de pouvoir couler dans une noix, dans les trous naturels de la noix, un alliage en fusion. Et c'est ça vraiment qui fait le fil conducteur de mes créations. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est quand une noix est sertie et visuellement ne ressemble à rien, quand la gouge prend les premiers copeaux de bois et de métal en même temps, ce travail révèle toute la fleur du bois et l'assemblage du métal qui est réalisé au niveau de la noix. Mon travail sur les cannes et sur la création de cannes m'a également amené à créer une collection de bijoux qui est réalisée avec le même fil conducteur, c'est-à-dire le sertissage de métaux précieux avec des bois précieux. La naissance de la fleur du bois quand on commence à tourner un carrelet de cannes, c'est juste exceptionnel. Ma passion se révèle vraiment quand, à partir d'un bois brut mis sur le tour, après plusieurs heures d'usinage, j'arrive à un tel degré de finition que ça a une douceur inouïe. Les huiles mises dessus révèlent vraiment la fleur du bois, et là, je suis vraiment dans mon élément.